Voici Elisabeth Tessier. Elisabeth Tessier, mesdames, messieurs, comment ça va? Une entrée un peu loupée, là. Oui, oui. Vous voulez la refaire? Non, mais refaites-la, 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 comme ça vous serez plus à la bien. C'est pas joli, hein. Vous êtes chez des amis. Attends, pourquoi je me suis cassé la figure. Non, attends, Thierry. Je vous demande de vous... Mais c'était ça, la vérité. Mais la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Voilà. Comment elle m'a torché. Voici Elisabeth Tessier. Elisabeth Tessier, vous avez déclaré « Je suis la figure emblématique de l'astrologie, celle sur laquelle on tire. Bah » oui. Et c'est vrai que vous êtes la cible d'éloges et de critiques, comme tous les gens qui réussissent. Vous êtes ici pour deux livres, la version expurgée de votre thèse, qui fait quand même 650 pages, qui s'appelle « L'homme d'aujourd'hui et les astres ». Et puis votre horoscope 2002, c'est une tradition désormais chez Philippe Aquitte et les 7 jours, qui s'appelle « L'année du défi ». Donc vous êtes obligé de faire deux fois pomme. Je suis désolé, parce que vous avez deux produits à vendre. Laurence, tu peux montrer. Ah non, je fais que pour ma promo, moi. Voilà, c'est ça, très bien. Elisabeth, allons-y deux fois, les enfants. Bon, ça, c'est une fois, c'est pour la thèse. Maintenant, on fait pour l'horoscope. D'ailleurs, d'où ça vient, ça, Elisabeth? Pourquoi? En 2003. Elle prend un tour d'avance. En 2003, elle va refaire l'horoscope de l'année. Tiens, vas-y. C'est sûr. Prends un tour d'avance. Attention, 2003. Non, non, parce que... Non, je suis assez superstitieuse là-dessus. Il faut attendre d'y être à 2003. D'ailleurs, on n'est pas non plus en 2002 non plus. Bien. Moi, elle m'a torché. Alors, on commence avec votre horoscope 2002, l'année du défi, donc chez Philippe Aquitte et les 7 jours. Alors, que va-t-il se passer en 2002? Eh bien, on peut dire en gros que ça va être un petit peu le schéma inverse de celui de cette année, c'est-à-dire qu'on va manger notre pain noir au début, et puis le pain blanc sera pour le dernier trimestre. Grosso modo, c'est ça. Non, mais qui dit donc fanatisme religieux, conflit armé, récession économique, attentats en masse, surtout. Attentats en masse, mais à partir de septembre prochain. Et donc, même ce cycle-là devrait déjà se terminer fin mai, juin. Voilà. Après, les tours vont repousser d'elles-mêmes. Tout va. Ça peut-être pas. Non, mais la rentrée, la rentrée en septembre 2002. Oui, je pense qu'en France, il y aura un peu de désordre politique encore à la rentrée, là. Mais après, ça se calme. Et l'année finit beaucoup mieux qu'elle n'a commencé. Et la récession commencera. Et la croissance reprendra. Prenons la ville de Besançon, par exemple, sur le mois d'avril. Qu'est-ce qui va se passer? Non, mais comme ça, a priori, il faut regarder. Moi, je ne me rappelle pas. Il faut regarder. Elisabeth Tessier, pour vérifier la fiabilité de vos prévisions, et non pas les prédictions, je le dis pour Laurent qui ne sait pas très bien tout ça, j'ai retrouvé donc des anciennes prévisions et j'ai regardé si vous étiez trompé ou pas. Dans Horoscope 1987, vous aviez prévu le krach boursier. Bah oui, entre autres, mais j'ai prévu plein de choses, attendez, les gens le disent jamais. Plein de choses, je vous dis ce que j'ai prévu. Ça, vous l'avez prévu. Thierry, oui, j'ai prévu ça en le krach boursier. Ok, dont acte. C'est rangé. Ensuite. Dans... La fin du communisme aussi, avec 6 ou 7 ans d'avance. Absolument, en 82. Voilà. Après la bulle beau temps, c'est toi aussi. Non, c'est pas moi. La chute du mur de Berlin, Elisabeth, vous l'avez prévu en 82. Dans vos étoiles en l'an 2000, vous aviez prévu la guerre du Golfe. Oui, et la crise et la guerre après, oui. Voilà. Il y a une prévision dont je suis assez fière, parce qu'elle n'était pas du tout linéaire et pas évidente, puisque même mes chauffeurs de taxi me disaient que je me gourais complètement, c'était Balladur. Je veux dire, quand j'ai dit que ce serait Chirac, et tout le monde me disait, mais non, ce sera Balladur au premier tour. Incroyable, comment tu... On passe aux erreurs. Alors. Ouh là, ça va être beaucoup plus long. Non, non. L'éclipse du 11 août 99. Oui, alors là, ça a été... Alors, vous avez prévu des catastrophes, Elisabeth. Le malentendu, des catastrophes, des incendies, des guerres, des krachs boursiers. N'importe quoi. Vous dites, vous avez dit... Non, d'abord, j'ai dit où non, que ça. Donc le 11 août 99, il y a eu ni catastrophe, ni incendie. Vous oubliez l'essentiel, en tout cas. Ouais. C'est que j'avais... C'est le prix du livre. D'abord, j'avais dit... qu'il y aurait énormément de catastrophes naturelles, genre séisme, et encore dans Paris Match le 11 août, le 8 août, on le disait. Ça y en a chaque année, donc. Non, des séismes comme celui de Turquie, il n'y a pas chaque année, et surtout la suite des catastrophes naturelles, il y en a chaque année. Bien. Non, alors vous aviez dit. Suite de séisme, j'ai dit. Passons avec moi, ça peut partir. Attention.
Et puis, attends, et puis il faut quand même dire une chose au sujet du 11 août. Bon, parce qu'il y a eu un amalgame épouvantable et regrettable avec Paco Rabanne. On s'en souvient tous les deux, n'est-ce pas? Ça vous a pas fait votre pub, ça? Ah, sûrement pas, oui. Parce que justement, lui-même d'ailleurs disait partout où il était invité que lorsqu'il hésitait pour dater ses illuminations, ouais. Bien, il regardait dans mes bouquins. Alors tout le monde a fait l'amalgame, ça c'était très négatif. Ça vous a fait du tort, ça, Paco Rabanne. Beaucoup, parce que j'ai reçu au moins 500 coupures de presse, mais chaque fois c'était comme, comment dire, Dupont et Dupont. Tout va exploser, le monde va être plongé dans l'obscurité pendant 3 jours. Non mais bon, attendez. Ah non, ça c'est vous confondez avec Nostradamus, je n'ai pas cet honneur, je ne suis pas Nostradamus, j'ai jamais dit que le monde serait plongé dans... Non, il faut pas... C'est le DS, tu continues. D'abord ce pauvre Nostradamus... Attendez. Le problème... Non, attendez, non, Elisabeth, ouais. J'essaie... Non. Ouais. Non, parce que reconnaissez... le problème, non, c'est que... Elisabeth, il vous a laissé vous exprimer, laissez-le parler. Elisabeth, j'essaie d'être objectif. J'ai commencé par dire tout ce que vous aviez réellement prévu. Alors maintenant, je regarde ce que vous avez raté, ne me dites pas non à chaque fois. Mais vous pouvez, mais pas du tout, mais je vous laisse tout à fait dire. Simplement, c'est moins simple que ça. Vous aviez dit, si je me suis trompé, j'arrête tout. Oui, s'il ne se passe rien, j'ai dit. S'il ne se passe rien. Non, si c'est la fin du monde. Non, pas du tout, je n'ai jamais dit ça. Écoutez, mon livre s'appelait 1999-2004, alors je ne pouvais pas prévoir la fin du monde pour 1999. Mais tout ça est ridicule. On va laisser tomber. Je suis bien d'accord. Bon, attendez. On va laisser tomber. On va laisser tomber le 11 août 99. Non, mais ça, c'est important, l'histoire de la fin du monde, c'est important, parce que je n'ai jamais dit que ça serait la fin du monde. J'aimerais qu'on le souligne. Bien sûr. Si vous arrêtez tout pour nous, ce sera un peu la fin du monde. J'ai fait une analyse. Non, mais j'ai jamais dit ça. Il est mignon de temps en temps, il est mignon. Là, il faut le garder. Il me dit si j'en fais trop, je m'en rends pas compte. Non, mais c'est parce qu'il est un petit bélier très mignon. Il est généreux, il est toujours pour la défense de la veuve et de l'orphelin. Il est très, très généreux. Alors, donc, on passe à une autre erreur. Vous allez me dire, c'est une vraie erreur. En mai 97, quand Chirac avait dissous l'Assemblée nationale, vous aviez prévu la victoire de Chirac. Vous aviez dit, pour Chirac, cette année, c'est presque un boulevard. Il a été très bien inspiré de faire les élections maintenant. Dans l'événement du jeudi, j'ai annoncé le départ de son Premier ministre, en revanche. Et ça, personne ne l'a jamais... J'avais prévu que Chirac allait regagner les législatives et qu'il allait nommer comme Premier ministre Léotard, Sarkozy ou je ne sais trop qui. Finalement, c'est la gauche qui a gagné. J'ai jamais donné de nom. Enfin... Léotard ou Sarkozy, mais jamais j'ai dit ça. Alors ça, j'aimerais que vous me donniez la parole. Ah, mais je vais vous donner. C'est dans l'événement du jeudi. Et moi, je vais vous faxer dans l'événement du jeudi le fait que j'ai annoncé à ce moment-là que... Le départ du train de Mulhouse, je m'en rappelle très, très bien. 10 minutes avant. Je peux dire mea culpa. Mea culpa. Autre exemple, le 11 septembre 2001, vous écriviez dans l'horoscope... Oui, l'histoire du Mercure Saturne. Ouais, non, vous dites « jour heureux pour les transports ». Oui, je sais. Oui, mais elle n'a pas fini sa phrase, c'était les transports amoureux. Non, et puis non mais attends, il faut dire les choses. D'abord, je n'ai pas du tout calculé ça par rapport... Ce sont des calculs que je fais pour l'Europe dans les 7 jours, pour la France, la Suisse, etc. Je n'ai pas regardé l'incidence de la constellation sur les États-Unis. Après, quand les événements sont arrivés, j'ai très bien compris que le thème des États-Unis et de Bush était fortement agressé par cette configuration. C'est pour ça que je ne l'ai pas compris. En plus, il y a autre chose. Je sais que c'est difficile à admettre cela, mais si on se met sur Sirius et qu'on regarde un peu les choses de haut, comme l'astrologie le fait et comme un Capricorne sait le faire... Non, mais un Capricorne sait faire ça. Bon. Eh bien, nous... Je sais que c'est... Ça va faire bondir beaucoup de gens. Vous n'aviez pas tenu compte des États-Unis dans votre prévision? Non, là-dedans, non. Mais surtout, ce qu'on peut dire aussi, c'est que justement, si on essaye d'être complètement en dehors de tout jugement de valeur et en dehors des camps, eh bien, il y a des choses qui ont réussi ce jour-là, au niveau des voyages. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, tous les autres. Tous les autres. D'accord. Oui, c'est une façon de s'en sortir. Il y en a qui sont montés au ciel et tout. Il y a plein d'avions qui sont posés ce jour-là. Oui, mais il y a des actions... On parle toujours des avions qui s'écrasent. Il faudrait qu'on ait une pensée pour ceux qui atterrissent, quand même. Ce jour-là, il y en a plein qui ont atterri. Bien. Alors maintenant, on passe à votre thèse. L'homme d'aujourd'hui et les astres, fascination et rejet chez Plomb. Oui. Donc, au départ, cette thèse s'appelait, attention, situation épistémologique de l'astrologie à travers l'ambivalence
de la fascination et du rejet dans les sociétés postmodernes. En Espagne. Non, partout. Donc elle faisait 900 pages en 2 volumes. Alors ce qu'il faut dire, Elisabeth, c'est qu'effectivement, Colbert a supprimé l'enseignement de l'astrologie à l'université en 1666, oui. 2 ans après la bière. Et vous, vous voulez l'y faire revenir, voilà, votre idée, c'est que l'astrologie revienne à l'université, à commencer par la Sorbonne, oui. C'est ça. Dans votre idée de faire revenir l'astrologie à l'université, vous avez profité du soutien de François Mitterrand, qui vous demandait conseil, oui. On peut le dire. Oui, on peut le dire. C'est allé de la guerre du Golfe à Edith Cresson. Ça n'a pas été très loin. Hein. Il m'a pris un rendez-vous très gentiment, parce que je l'ai appelé juste avant Noël, et je lui ai demandé s'il pouvait faire quelque chose pour moi. Il vous a aidé, vous avez obtenu un rendez-vous avec la patronne avec Madame, de la Sorbonne, c'est ça. Le recteur de l'Académie, Madame Gendreau Massalou, qui a été hyper sympa, et qui m'a dit d'ailleurs, selon elle, me disait-elle, il faudrait absolument réintroduire, en tout cas, l'histoire de l'astrologie, non pas forcément la technique. Pas pareil. Pas pareil. C'est pas le même. Oui, mais c'est déjà quelque chose. Attends. Oui, mais c'est pas ce que tu as fait. Toi, comment tu te bats pour la réintroduction de l'astrologie, pas l'histoire. Mais je n'ai pas réintroduit, j'ai fait une thèse de sociologie. Attention, j'aimerais bien qu'elle y fût déjà. Ouais. Mais je veux dire que je l'ai lu. Et alors? Et alors, j'ai adoré. Il se fout de moi de nouveau. Non, il l'a lu, tu l'as lu. Je l'ai lu. J'ai plus le temps de la lire. Sorti il y a 2 jours. Oui, mais moi j'ai la chance de recevoir les bouquins avant parce que je collabore un peu à l'émission. Et j'ai trouvé ça passionnant, bien écrit. Et puis ces personnages sont attachants. Bon, la fin est un peu triste. Tu l'as lu. Donc, Mitterrand vous a donné un coup de pouce pour la soutenance de votre thèse en sociologie. Donc vous êtes maintenant docteur en sociologie à la Sorbonne. Tout à fait, voilà. Pour vous servir. Et alors donc il y a eu effectivement, comme vous le savez, tout un tas de protestations, des sociologues ont déclaré, tous les contrôles ont sauté, c'est une braderie médiatique. Oui, c'est ça. Non mais c'est vrai. Moi j'étais un fusible, j'étais un fusible dans cette guerre qui me dépassait complètement, et en plus il faut bien dire une chose absolument scandaleuse, c'est que, d'abord, il n'y a aucun grand nom de sociologue qui a écrit quoi que ce soit contre ma thèse. Au contraire, Alain Touraine m'a défendu. Défendu d'en faire une suite. Comment? D'accord, et quand même, Elisabeth Essier, moi je vais bien écouter tout ce que vous voulez, mais il y a quand même eu 4 prix Nobel. Attendez, il y a quand même 4 prix. Non, attendez. Non, attendez. Il y a quand même 4 prix Nobel qui se sont insurgés, qui ont dit c'est un scandale qu'Elisabeth Tessier puisse faire une thèse de sociologie à la Sorbonne. Eh bien écoutez, vous savez ça. Vous répondez. Ils sont allés voir Jacques Lang. Non, mais vous répondez, vous dites que parmi les 4 prix Nobel qui se sont opposés à votre thèse à la Sorbonne, à votre thèse de sociologie, vous dites qu'il n'y a aucun prix Nobel de sociologie. Non mais non seulement. Bien sûr, mais de toute façon, il n'y en a pas. Il n'y a pas de prix Nobel de sociologie. Mais je veux dire, il n'y avait aucun sociologue. Et puis, ce n'est pas seulement ça. C'est que tous ces gens, il faut quand même être un tout petit peu, avoir le bon sens du paysan. Ces gens-là n'avaient absolument pas lu une ligne de ma thèse. Toutes ces critiques voulaient dire quoi? D'ailleurs, ils ne s'en sont pas cachés. La fameuse Lafis, vous savez, dont vous allez me parler sûrement. Et qui est un ramassi. Oui. Oh yes, elle a bon. Tu te rends compte? Bon. Elle fait 2 ans. Ah oui, elle fait des prévisions, c'est normal. Non, mais ces gens-là qui sont, ce sont des fanatiques, ce sont des talibans de la culture, ce sont des gens qui sont d'une intolérance totale. En tous les cas, il y a eu 400 articles dans la presse, ça fait un scandale, beaucoup de gens regrettent, vous savez bien, regrettent que vous ayez eu ce doctorat. Tant mieux, je les enquiquine pour ne pas dire autre chose, je les emmerde. Ah oui, vous les emmerdez. Oui, je les emmerde. Vas-y, Lolo. Je les emmerde, ça s'appelle. Non, articule, dis-le fort. Je les emmerde. Alors, on va parler de votre vie. Donc, vous êtes né à Alger, je ne dirai pas l'année. Oh, tout le monde le sait, c'est pas grave. Non, ah bon, je sais pas, mais le 6 janvier comme vous, mon cher Thierry. Le 6 janvier, voilà. Vous avez dit le même jour, quelle année? Non, tu vas pas le dire alors. Voilà, on ne dit pas. Alors, votre vrai nom, c'est Germaine Hanselmann. Non, non, alors là, je suis ravie que vous parliez de cela, Thierry. Parce pourquoi? Que vraiment, j'en ai ras-le-bol de cette histoire. Bon, c'est vrai, j'ai changé mon prénom à l'âge de 20 ans. Tout le monde a le droit de changer. Je n'aimais pas Germaine. Enfin, Germaine, je m'appelle Germaine Elisabeth Claire, pour tout dire. Ouais. Alors, j'ai choisi Elisabeth que j'aimais bien. Germaine. Donc, non, je me déteste. Mémène, c'est mignon. Mais oui, non, avec des mules. Je déteste. Et alors, donc, à 20 ans, je suis devenue, quand j'étais à la Sorbonne. Vous êtes mariée avec André Tessier-Ducrot. Voilà, et vous êtes devenue Elisabeth Tessier-Ducrot. Les sirops et les condiments. Non, mais attendez, ceci étant. Mais vous avez divorcé. Vous avez divorcé d'André Tessier. Oui. Donc vous appelez de nouveau Germaine Hanselmann. Non, pas du tout, parce que j'ai eu la dispense du tribunal, comme que j'étais connue en tant que Tessier, pour garder mon nom. Normalement, vous devriez reprendre votre nom de jeune fille. Je pourrais. Oui. Mais de nos jours, vous savez, on a les deux noms. Hein, les femmes gardent les deux noms en général. Oui.
Donc votre vrai nom, c'est quoi? Je m'appelle Germaine Elisabeth. Anselman comme nom de jeune fille, Tessier Ducrot, femme mariée. Voilà, voilà, et divorcée. Ben voilà, et divorcée. Bien. Voilà. Alors votre père s'appelait Anselman, lui, alors pour le voilà. coup. Alors lui, Walter, Walter, il n'avait pas le choix. Hein. Ah, oui, oui, voilà. Suisse-allemand de bonne souche. Suisse-allemand froid. Oui. Un peu inhibé. Vous Léonas, le connaissez alors? Non, non, mais très protestant quand même. Très suisse-allemand protestant. Ouais. Hein. Pas très tendre. Protestant depuis 1532, ça marque. C'est pas jeune ton père. Sérieusement. Non, mais c'est vrai, il vous faisait pas sauter sur ses genoux, non, par mais exemple. Vous savez, les Capricornes ont souvent une enfance un peu malheureuse. Ouais. Non, il se bonifie avec le temps. Il a fallu du temps pour qu'il ait des gestes de tendresse envers vous. Ouais, vachement. Vers 72, vers la fin, il a commencé à être un peu tendre avec vous. Non, mais c'est vrai. Bon astrologue, Thierry. Bon, votre mère, son prénom, c'était quoi? Germaine. Et alors, on y retourne. Ah, c'est incroyable. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai jamais compris mes parents qui ont eu la bonne idée d'appeler mon frère comme son père, Walter, et moi, Germaine, moi, Germaine, Germaine comme la mère. Lebar, elle s'appelait. Alors, vous imaginez un peu quand on s'appelait dans la famille comme c'était ça. Oui, c'est vrai que c'est pas très mal en même temps. Ouais. Et vous étiez une bonne élève, hein, vous étiez assez douée en classe. Très, hein, et très vos parents... Thierry, alors vos fiches, oui, très bonne élève. Très bonne élève. Et vos parents ne voyaient pas l'intérêt. Ils disaient, mais vu que tu vas te marier, de toute façon, à quoi ça sert que tu ailles à l'école? Surtout ma mère, si. Oui. Voilà. Alors, vous avez une enfance, ben vous bougiez beaucoup hein, pendant votre enfance. Oui, mes parents avaient la bougeotte de Gémeaux, vous comprenez. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Ah, oui. C'est pas la stabilité. Hein. En même temps. C'est pas vraiment la stabilité. Les Gémeaux, hein. Ouais. 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 Alors, donc, Berne, Casablanca, puis vous retournez en France, au collège dans la Haute-Loire. Au collège Thévenol, oui, que tous les parpaillots connaissent. Ah ouais. Hein, voilà. J'ai passé alors, une année épouvantable. Heureusement, vous atterrissez à Paris, vous faites propédeutique à la Sorbonne et vous préparez une licence de lettres. Oui, c'est ça. Et là, un jour, vous êtes en train de boire un coup avec une copine, place de la Sorbonne. Qui était Poisson. Non, mais il faut préciser les choses. Et là, un jour, vous êtes place de la Sorbonne, donc vous buvez un coup avec une copine. Oui. Et il y a un photographe qui débarque. Oui, je me souviens. Et qui vous dit... Un petit lion magnifique. Ah, j'ai pas retenu son signe. Et qui vous dit, est-ce que vous voudriez faire des photos pour moi? Alors vous vous dites... Non, bah, porno. Non, pas porno, non, pour non. moi. Ah, pardon. Et vous vous dites, ça mettra un petit peu de beurre dans les épinards, parce que c'est vrai qu'avec... Ah, donc porno. Avec un... Non, pas du tout. Non. En réalité, c'était une couverture de L. Et c'est parce que j'ai demandé sa carte de visite, parce que bon, on me draguait pas mal, hein, quand même. Et je lui ai demandé sa carte de visite, et c'est vrai qu'il était, c'était tout simplement... Alors je vais vous... Elle a commencé par la couverture de L, elle a enchaîné avec la double page de lui. Oui, je fais aussi des photos pour lui. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Et donc, c'est idiot, j'ai un trou là. C'est pas grave. Vous vous dites, ça mettra un peu de beurre dans les épinards. Oui. Parce que c'est vrai André Tessier Ducrot, il était jeune. On était jeunes étudiants. Bah oui, jeune étudiant. On s'est mariés à 20 ans. Il n'avait pas d'argent. Hein, alors bon, lui, voilà. On donnait d'ailleurs des cours particuliers, lui de maths et moi de français et d'allemand. Bah voilà. Lui, c'était quand même bonne société protestante, hein, quand même, André Tessier. Ah oui, là, tout à fait. Polytechnique et tout. Hein, voilà. Et donc là. Bah oui, parce que vous comprenez, Thierry, il faut quand même. J'explique. Ouais. Et c'est là que j'ai compris combien les neurones sont moins appréciés que l'apparence physique. Hein, parce que moi, je traduisais des bouquins de philo avec les pieds dans. Je suivais l'exemple d'Albert Schweitzer, parce que j'avais lu que quand il passait ses examens, il mettait les pieds dans l'eau froide pour ne pas s'endormir le soir. Et moi, je faisais mes traductions les pieds dans une bassine d'eau froide dans ma chambre de bonne. Non, mais c'est vrai. Et là, j'ai réalisé qu'en une matinée, j'ai gagné ce que je gagnais en un mois de traduction. Alors, je me suis dit, le monde n'est pas juste. 26 ans, 56 kilos, 1m75, vous devenez mannequin, vous allez travailler chez Chanel. Mm-hmm. Voilà. Et un jour, évidemment, vous faites la boulette. Vous faites une photo chez Chanel avec une robe François. À 69,95 francs. Dis donc, quelle précision. Publiée dans François, oui, alors vrai. Que Coco Chanel faisait des robes à 10, 15 000 balles. Oui, mais on avait le droit, théoriquement, mais un droit non écrit. Ouais. Mais elle avait dû mal gérer son œuf ce jour-là. Elle vous a viré. Elle m'a viré, oui, mais j'étais la dernière à être virée de la cabine. Je croyais que j'étais inamovible. Ouais. Pas du tout. Et là, vous vous dirigez vers le cinéma. Vous faites un certain nombre de films avec pas mal de grands réalisateurs. Ouais. Carnet, Fellini, De Sica, Sidney Pollack. Et évidemment, frustration avec José Benazeraf, Elisabeth. Oui, bah ça, oui, bah c'est pas très grave. C'était un film, vous savez... Ah non, mais je dis pas que c'est... Vous connaissez, je peux pas oui, trouver je dois ça dire grave. J'aurais mieux fait de pas le faire, celui-là, parce que vraiment... Parce qu'il était d'une... C'était d'abord, c'était nul. C'est pas du porno, c'est hein, nul. C'est pas... Ah, attendez, non, je tiens à le dire à nos amis téléspectateurs. Non, pas du tout. Non, justement, c'est pour ça qu'il y a eu un tel malentendu là-dessus. Il faudrait quand même préciser. Non, c'était d'une totale innocuité...
C'était vraiment... Écoutez, à tel point que quand ce monsieur, qui n'est pas très élégant, a profité de ma notoriété liée à la publication du livre sur Mitterrand, son film ayant été un total four, il faut le dire, 25 ans avant, hein, ouais. Il a profité de ce succès du livre en 97 pour sortir une cassette. Il s'est dit, je vais m'enfiler dans le sillage. Et puis bon... Et alors oui, c'est passé dans Penthouse, quoi. Les photos ont été publiées et dans... Et il a dit des choses tout à fait fausses sur moi. C'était vraiment... Pourquoi? Parce qu'il a perdu 3 procès que je lui ai fait. Ouais. Voilà. Alors évidemment, il m'en voulait. Il a raconté que des vacheries, des trucs faux. En tout cas, ce film permet de voir quelle beauté vous étiez. Oui, j'étais super belle. C'est pas du tout porno, je tiens à dire à nos amis téléspectateurs. Voilà. C'est pas la peine de vous ruer sur la cassette de frustration de José Benazeraf. Mais pourtant, Dieu sait qu'on a fait des gorges chaudes. C'est un film érotique. Mais pas pornographique, on peut le dire. C'est vrai qu'il y a des scènes sur le plan esthétique, c'était très joli. Bon, et là, donc après tous ces grands réalisateurs et puis Benazeraf, vous avez un peu ras-le-bol. Ras-le-bol, ma crise existentielle. Vous avez ras-le-bol de tous ces mecs, vous dites beaucoup de promesses par des messieurs influents qui me demandaient d'aller les voir. Et vous refusez. Qui me montrait surtout, c'était surtout la promotion canapé. Voilà. Hein. Vous vous révoltez contre la promotion canapé, et là vous en avez assez. Ouais. J'ai jamais voulu marcher là-dedans. Et là, vous baisez debout. Bonne idée, mais j'ai jamais pensé à ça. Non, c'est vrai, vous en avez marre, quoi. Ils voulaient tous vous sauter, en fait. Oui, parce que, en fait, je me suis souvent interrogée, je me suis dit, d'où venait ce côté farouche et est-ce que c'est de la vertu? Non, c'était tout simplement de la fierté. Je voulais qu'on ne mélange pas les choses. Ouais. Voilà. Et là, alors, vous allez tourner un film qui est sûrement votre plus gros navet, il faut bien le dire, c'est Château en enfer. Ah ben oui, mais c'est pas le mien, c'est celui de Sidney Pollack. Oui, bien sûr, Sidney Pollack. C'est pas le mien, j'avais un si petit rôle là-dedans. Avec Burt Lancaster. Ouais, mais ça a été ma chance, ça, parce que j'avais un contrat mirifique pendant 6 mois où j'étais merveilleusement payée en Yougoslavie, à ne rien faire, pour quelques apparitions. En plus, il y avait une scoumoune sur ce film absolument épouvantable, ils auraient dû faire le thème avant de commencer, parce que le château a brûlé, ils avaient choisi... Le titre déjà, c'était Château en enfer. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Mais ils avaient choisi la Yougoslavie, pourquoi? Parce qu'ils étaient basés sur des statistiques météorologique pour être sûr qu'il y aurait un hiver très long jusqu'au mois de mai. Résultat des courses, il n'avait jamais fait aussi beau. Au mois de février-mars, il y avait des bourgeons de partout. Ils ont dû mettre de la neige artificielle. C'était l'enfer, vraiment. Et, là, Fellini et moi, j'ai appris dit, l'astro. Voilà, Fellini vous dit, avant de partir, emporte un livre d'astrologie. Et c'est comme ça que vous êtes devenu... C'est là que j'ai décidé de prendre des cours d'astrologie. En rentrant, je me suis dit, le cinéma à ras-le-bol. De toute façon, ça ne comblera jamais ma soif de connaissances, le besoin d'activité de mes neurones. Moi, j'avais besoin de travailler avec ma tête, et bien que je regrette le cinéma, j'aimerais bien en refaire, ça c'est un appel au peuple. Et donc... Est-ce que le cinéma te regrette, c'est ça la vraie question? Oui, ça c'est une bonne question. Là, je retrouve bien ton esprit bélier. Alors... Ascendant J'en sais rien, et je m'en fous, tout dire. L'amour du métier, mais je m'en branle, mon vieux.